Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. On a hâte que ça commence parce que ça va être un vrai plaisir de suivre cette rencontre. Et on le sent déjà, l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Et encore un nouveau match à vous proposer. Dans un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense est toujours garanti. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Allez, la compo des Lads, dans le but, c'est Ter Stegen. Frankie de Jong sera accompagné de Kessié au milieu. Et devant, on termine avec Wissam Ben Yedder. Oui, sans commettre de faute. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui progresse. Le ballon en touche. Ballon pour Kessié. Ballon pour Nabil Fekir. C'est le moment de prendre l'avantage. Eh oui, le bon réflexe. Le corner bien tiré. Attention, la défense a le ballon, mais il y a encore danger. DeAndre Yedlin. Une parenthèse pour évoquer Insigne, l'Italien qui est la grande attraction et aussi le danger principal à surveiller. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleurs ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donnes et ensemble on devient meilleurs. La faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien, elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Et ce ballon passe assez loin du cap. En même temps, frappé de si loin, il y avait beaucoup mieux à faire. Hector Herrera. Ouais, une bonne charge. Un bon ballon pour Ben Yedder. Ben Yedder la frappe. Ah, le bon réflexe là. De Jong tire le corner. Sans problème. Là pour Campos. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine.
Vinicius. Frankie de Jong avec le ballon. Ouais, c'est très bien défendu. Il y a un contre possible à jouer là. Vinicius. Ballon pour Fekir. La perte de balle de Nabil Fekir. Ballon rendu à l'adversaire. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et facile là pour Campos. Deandre Yedlin. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Un bon contre à jouer peut-être. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Et le gardien était bien vigilant. Le corner. Ah, c'est bon, ça va rien donner ce corner. Pas assez bien joué. Et très grosse pression, attention. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Oh, attention à ce centre. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. La passe vers Herrera. Mais non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ah, ce ballon est récupéré. Hector Herrera. Herrera. Attention à cette passe. Ah, le stade réclame une frappe. La parade exceptionnelle. Incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Quand on voit ça, on est déçu, frustré même, parce que le football, c'est le désir de donner et aussi le désir de recevoir. Là, il n'y a que de la frustration dans cette rencontre. Ben, regardez, peut-être une occasion sur cette phase de jeu. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. L'arbitre laisse l'avantage. L'arbitre qui intervient, ça sera un coup franc après cette nouvelle faute. Ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Avertissement verbal pour l'instant. Et attention, parce que la prochaine, elle pourrait sortir le carton. Tir contré sans difficulté. Ah, le contre est possible. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Le centre vers la surface. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Thank you.
Insigne tire le corner. Aïe aïe aïe, c'est mal tiré, une occasion gâchée. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. C'est le premier ballon dans ce match. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Ah, le contact sans faute. Le ballon pour Franky De Jong. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et la bonne parade du gardien. C'est frappé par Franky De Jong et un ballon pour les bras du gardien. Et c'est un petit peu compliqué actuellement pour Vinicius, une première période assez décevante de sa part. Encore une fois, quand les choses n'arrivent pas comme on veut, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça... Attention, ça chauffe là! Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Quelle parade! Son corps a obéi à son désir de garder le match nul. Attention à cette passe! Et Ter Stegen qui se détend très bien! L'équipe tente une combinaison. Insigne avec le ballon. Ah, il repique pas le pied vers l'intérieur. Oh, ce petit ballon qui vient échouer juste au-dessus. C'était bien joué. Les Lads qui tentent de construire. Vinicius avec le ballon. Bien défendu. Deandre Yedlin. Lorenzo Insigne. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et la bonne intervention pour récupérer. À une occasion de contre, à négocier. Ah, le bon tacle, c'est bien défendu. Quand on regarde la possession depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Ça sort des limites, c'est une touche. Et le changement est demandé et il a lieu.
Hector Herrera. DeAndre Yedlin. Oui, ils font bien circuler le ballon. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Oui, sans faute, c'est récupéré. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Et le gardien était bien vigilant. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Il est joué court. Ouais, ballon pour une frappe. Quelle frappe surpuissante! Et ça manque le cadre de peu. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Eh oui, c'est bien défendu. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Aucune difficulté pour capter le ballon. Et pressing sur la relance. Robertson. Gareth Bale. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Et Ter Stegen qui va chercher ce ballon. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est joué court. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Oui, le ballon est intercepté. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Allez, c'est joué court. Allez, le centre, il y a du monde. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. L'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait synonyme de victoire et donc de chaos pour l'adversaire. Oh, le sauvetage impressionnant en fin de match. Qu'il est important cet arrêt en face à face. C'est parfaitement maîtrisé. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Voilà, c'est joué court. Et pourquoi pas, de loin. Et non, sans danger, finalement, ce tir. Ben Yedder. Et ça joue avec Lemar. Ouais, une bonne charge. Et peut-être un bon compte à négocier là. Le ballon qui est récupéré dans une ambiance invraisemblable. Un but seulement et c'est la délivrance. Et la frappe, attention. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti est. Con le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions.
On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Ouh, Vinicius ! Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Belle parade sur ce coup de franc qui était cadré et le gardien vigilant sur ce coup de franc bien tiré. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Et oui, c'est ce but à la dernière minute qui a fait la différence. Quelle explosion de joie! Et donc début de cette première période. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Eh oui, le bon réflexe. Peignédière la frappe. Ah, le bon réflexe là. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Et la bonne parade du gardien. Attention à cette passe. Et Ter Stegen qui se détend très bien. Insigne avec le ballon. Ah, il repique balle au pied vers l'intérieur. Oh, ce petit ballon qui vient échouer juste au-dessus, c'était bien joué. Et le gardien était bien vigilant. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Ouais, ballon pour une frappe. Quelle frappe surpuissante et ça manque le cadre de peu. Nous assistons à un moment décisif. Et Ter Stegen qui va chercher ce ballon. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Oh, le sauvetage impressionnant en fin de match. Qu'il est important cet arrêt en face à face, c'est parfaitement. Le ballon qui est récupéré dans une ambiance invraisemblable. Un but seulement et c'est la délivrance. Et la frappe, attention. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot.
frappe, attention. Goal dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs.